YouTube, salut, comment allez-vous? On est reparti sur Gravity Circuit, il nous reste 3 stages à faire. On va s'en faire un, on va faire un petit tour dans la base avant, parce qu'on a sauvé lui, et je voulais voir qui c'est qu'on avait sauvé là. Oh, on a sauvé le petit toutou, regardez ça. Ah ben ouais, Amadeus. Allez, donne-moi un truc. Ah, il me donne pas de cellules. Comment ils s'appellent les bonhommes? Epsilon. Ah, il nous parle de Amadeus, du coup. D'accord. Ok. D'accord. Ok, donc il nous parle de Amadeus. Très bien. Le remake... Non, bah, je veux pas le faire. Le prochain qu'on se fera de Zelda, c'est Minish Cap. C'est Minish Cap, c'est le prochain qu'on se fera. Donc ça, ça serait très cool. Co-égalité. Oh là là. Non, non, il n'y a pas d'égalité possible. Déconnez pas, les gars. Bah, on fera... Bah, je ferai le premier sur la liste. Dans la liste des stages. Je sais pas c'est lequel le premier. Je fais le premier sur la liste. De toute façon, il y a eu 7 votes et on est 8 en live. Allez, qu'il y en ait un qui mette un petit vote. Ça serait cool. Bon, la centrale, c'est l'électricité. Je déteste les pouvoirs électriques. Ça va me gaver. Donc, on va faire la montagne. Alors, personne ne veut voter. Allez, je mets fin au sondage. Oh, c'est la montagne. Il y en a qui a changé. Non, qui a voté. Il y a eu un 8e vote. Hop, je mets fin au sondage. Je triche. C'est parfait. C'est pas du tout truqué. J'aurais dû appeler ma femme pour qu'elle vote, en vrai. Ça fait déjà 3 vidéos. T'es pressé de le finir, ce jeu. Non, bah, il est cool. En plus, il est cool, le jeu. Non, non, le jeu est cool, c'est pas... Ouais, c'est surtout que... Ouais, on avance doucement dans le jeu, tranquille. Allez, montagne. Donc, il nous restait montagne, centrale et stockage. Ben, en vrai, on a fait quoi? Là, on a fait 8. Là, on a fait 8. Par contre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une petite cellule à récupérer, soit d'énergie, soit de vie. Et on n'en a pas récupéré beaucoup. Là, on a fait que 5. On a été nul. Et attendez, on a fait 3 fois 8. On n'a pas été mauvais. Par contre, ouais, il y a les petites cellules d'énergie, je pense qu'on n'a pas récupéré. Allez, on est parti pour la montagne. L'histoire est prenante et surprenante sur la fin. Je pense que ça va être... Ouais, surprenante, je pense que ça va être pas terrible. Hein. Soit ça glisse, soit c'est du vide. Ah ben, on va voir, on va voir. Ah, si c'est la glace, ça va me saouler. En temps normal, j'enverrai des techniciens les réparer. Et il fallait réparer quoi? J'ai pas suivi. Pas grave. Le circuit rebelle Blade a été repéré en train de survoler la zone. Grâce à ses pouvoirs, il restreint l'accès direct au pipeline. Ok. Heureusement pour nous, il existe un autre chemin à travers les montagnes. Très bien. Je pense que ça va glisser comme sur une patinoire. C'est possible. Ah, le petit thé gingembre citron, c'est ça, Jean? Toutefois, ce dernier grouille de troupes de l'armée virale. Par contre, il faut boire quand tu fais le jeu. Hein. Ah ben, on verra. Là. Tu as piqué ma curiosité, j'avoue. Alors, rendez-vous sur les lieux et ouvrez-nous un passage pour réparer ces pipelines. Ah, t'es vert, ce soir. D'accord. Et pendant que vous y êtes, pourriez-vous me rapporter de la glace? Ah, ça sent pas bon, ça. Mes cerveaux moteurs en auraient bien besoin. J'aurais dû prendre la centrale. J'aurais dû prendre la centrale. Je commence déjà à regretter. Très bien, préparez-vous au transfert. Bon, l'histoire, elle est bateau. Hein. Les bateaux ultra classiques, mais... Mais c'est cool. Approche de la cible. Oh, il a du flou, il est beau. Hein. Circuit de réfrigération. Ok, on est parti. On est parti, on est parti. Pour le 100%, il y en a environ pour 4-5 heures, mais peut-être pas réaliser tous les défis. Nous, on est déjà à 3 heures, tu vois. Alors. Ah, il y avait un petit point rouge, donc ça sera ça. Les murs à casser, ça avec des petits points rouges. Putain, je me suis fait douiller. Et on a sauvé encore un petit chien. Sauvé Yuki Amadeus. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils si mignons? Bah, c'est des chiens. Mais... Ok, donc on a sauvé les 2 chiens du jeu, a priori. Allez. Bien là, petit. Alors, ça, ça va décoller? Non, ça s'enfonce. Et c'est l'inverse.
Ok. C'est vrai que j'ai ça aussi, acheter les cellules. Ah ouais, non, mais en fait, le 100%, il y a trop de trucs à faire. Non, ce sera juste le plaisir de récupérer un maximum de trucs. Je fais comme ça. Ça me paraît bien. Ah, lui, vite des petits... Lui, il jette des pics à glace. Ok. Bon, ça va pour l'instant. Oula, j'ai failli tomber tout seul. Ah, j'ai cru que c'était un mur à casser. Pas du tout. Pas du tout. Et les musiques sont vraiment bien aussi. Hein. Mais elles sont discrètes. Vivement Robocop. Si tu regardes les critiques des amis youtubeurs. Ah. Quoi? Ah mais c'est peut-être pas pour moi ça. Alors. Est-ce que ça, il n'y a pas... Bon, après, il y en a, ils sont vraiment bons. Hein. Pas comme ça. Ça, c'est des erreurs que beaucoup de joueurs ne vont pas faire. Mais pas... En fait, c'est pas qu'ils les font pas, c'est qu'ils savent pas les faire. Ils savent pas faire des erreurs comme ça. C'est pas donné à tout le monde, ça. C'est de la haute technicité. Ah, j'ai été un petit peu audacieux. Ah, je peux lui jeter son bouclier. Ok. C'est la première fois que je le fasse, ça, je crois. Ok. Oh non! Ah, j'ai pas eu le temps de l'aller le chercher. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, on a eu encore une... Ah, ça, ça va me... Ah, ça va être chiant, ça. En haut, il y a un truc. Non, ça va, il y a rien. Ok, ça, ça explose. Merde, j'étais bloqué. Je ne sais pas pourquoi. J'étais bloqué. Alors. Ah, juste je mets un coup, ça suffit. Ok, heureusement qu'on a le wall jump. Je m'en suis aperçu après. Oh là 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 là. Ah oui, mais alors, d'accord, ouais, mais ça, c'est les mecs qui font les let's play complets, ouais. Enfin, les let's play complets qui savent... ils sont bons. On va essayer de tracer un peu, de retourner là où on était. Parce qu'on n'a pas, on devait pas être loin d'un checkpoint, par contre. On va récupérer un peu de thunes au passage. Là, j'arrive pas à passer par thunes. Ok, ça passe. Oh, je me suis fait douiller au même endroit là. Ok, on est passé. Ça, c'était le vide, hein. C'était le vide, hein. Ouais. Ah ouais, mais non. Ouais, mais non. Le petit checkpoint qui fait plaisir. Là, je suis sûr qu'on n'aura pas les 8. Il me semble qu'on en a déjà raté. Ok, faut y aller. Pissa. Nickel. Ouah.
Bah, FES, c'est l'ancêtre des jeux. Enfin, c'est pas le, le premier jeu indé, mais c'est un petit peu un des premiers gros succès des jeux indés. Un des premiers, pas forcément le premier, mais. Je pense que le premier vrai gros succès d'un jeu indé, c'est Journey. Même si moi, j'ai pas aimé, mais. Ok, on l'a eu. Et Journey, il est, Journey, il est court, hein, il fait 1h30, je crois. Enfin, un truc dans le genre. Et c'était risqué, ça. Ok. Ah, si, là-bas, on a vu. On a vu. Alors. Ok, ça passe. Ouais, le double saut. C'est le feu. C'est le feu. Chou. Oh. Ah bah oui, mais il est peut-être fatigué, c'est peut-être pour ça qu'il dit ça. Peut-être pour ça qu'il a, il a fait remarquer l'heure. Ok, là je pense qu'il va falloir sauter comme un zozo. Tant qu'il nous arrive des bricoles. Allez. Ok, je passe comme ça. Je passe comme ça. Hop là, ça c'est fait. Ah ouais. Oh putain, on est passé, c'est bon. Comment je vais faire là? Ah non, j'ai oublié que ça descendait. Oh, en plus j'étais bien passé là. Je m'étais surpris moi-même. Tu aimes le film Mario, moi? Ah oui, j'ai bien aimé le film Mario. On va croire que je le fais exprès là. J'avais oublié que c'était ça. Je me souvenais plus. Je me souvenais plus. Bon bah on va tracer alors. On doit être super loin en plus. Je suis sûr on était presque au point de... Je suis sûr on y était presque. Au checkpoint. Oh là là, regardez ça. Le speedrun. On n'a pas speedrunné là. Ouais, tu peux finir le jeu en 3 heures. Hein, en 1h30. Ouais, je pense que si tu traces comme ça. Bah, en fait, le jeu, il est vachement permissif sur, sur ça. Il est quand même fait pour que tu puisses le speedrun. Hein. Je vais pas m'en sortir. C'est de la merde le film Mario, c'est que mon avis. Je suis pas d'accord. Mais effectivement, c'est ton avis. J'ai fait comme tout à l'heure. Hein. J'ai pris mon temps. Et là, on saute. Voilà, bah, pourquoi est-ce que je le faisais pas? Ok. Ok, ok, ça peut le faire. Ah oui, mais il n'y a plus le... Le bonhomme, maintenant. Ah oui, je passe comment, après? Ah ouais, faut que j'arrive à faire la diagonale. Et j'y arrive jamais. Ah bah, tu vois, Contra, par exemple. Contra, j'aime pas du tout. Autant, j'aime beaucoup Metal Slug. Que Contra... Alors, ça n'empêche pas que ça soit des très bons jeux, hein. C'est pas la question. On a été meilleur tout à l'heure. Allez, on va y arriver cette fois. Oh non, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Non, je suis pas d'accord. Allez, c'est là que les choses se gâtent pour nous. Là, je passe easy.
c'est là que ça merde. J'ai oublié complètement. Ok, on était au checkpoint, c'était sûr et certain. Je vous l'ai dit en plus qu'on était pas loin du checkpoint. Bon, on va pas prendre de risques. Voilà. En vrai, ok. Ok, il va y avoir des trucs comme ça. Ça va être chiant. Et il sautait vachement haut, lui. Ok. Ok, eux, ils sont chiants. Hein. Oh non. Ok, 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 ok. On se... Ouais, c'était sûr, putain. Je l'ai vu arriver, ça. Ça va être chaud. Ah putain, mais... Ah, je souffre. Tu feras le prochain de Double Dragon. Ah, il me fait pas de l'œil du tout le prochain de... Il me fait pas du tout de l'œil. Il me fait pas du tout de l'œil ce Double Dragon, là, le Double Dragon 3. Enfin, ils l'ont pas appelé 3, mais... ou 4, ou je sais plus combien. Il m'a pas fait du tout de l'œil. Je sais pas, c'est peut-être dans la direction artistique. J'ai pas reconnu Double Dragon. Mais globalement, je fais assez peu de jeux des vieilles licences. Hein. À part les licences Nintendo, mais là, on touche à mon petit cœur. Oh, les salauds! La gourmandise. Ça, je le sens pas. Attendez, est-ce qu'on va pas chercher un checkpoint? Ah, un film sur Mega Man. Oh, ce serait possible. Ok. Je pense qu'il faut rebondir dessus. Ouais, ok, c'est chaud. C'est chaud. Oh, une extension de vie. C'est fabuleux, ça. Bon, avec ça, on est immortel. Je vous le dis, on meurt plus jamais. Ah. Là, ça commence bien. Ok, allez. Ah, j'ai peut-être fait de la merde. Non, il m'a shooté, cet enfoiré. Oh, il triche, lui. Lui, il triche. Oh. Après ton stage, tu vas dodo. Bah, moi aussi, hein. Je t'avoue. Et je vais même bien dormir parce qu'il m'a épuisé. Alors franchement, niveau gameplay, c'est de la régalade. Hein. Quand tu perds, c'est toujours de ta faute. C'est jamais le jeu qui est mal branlé, en fait. Toi, t'as des jeux comme ça où tu sens que tu perds parce que le jeu, il a des défauts. Et comme là, tu vois, j'insiste alors qu'il faut pas. Voilà, où il faut faire comme ça. Voilà.
Ah, là-haut, il y a un mur qui se pète. Allez, lui, j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec lui. Oh, putain, ça va être chiant. Non, ça va, c'est passé easy. Bon, j'ai rien dit. Ah, faut pas que je saute comme ça. Oh putain, tout ça pour un coffre de merde. Faut pas que j'insiste. Faut pas que j'insiste. Je l'ai dit. Un mythe de Capcom. Non mais faut quand même s'en rendre compte que personne connaît Megaman en dehors de quelques joueurs. Hein. Même les jeunes n'y connaissent pas. Hein. La nouvelle génération de joueurs, ils connaissent pas Megaman. Hein. Tout le monde s'en branle de Megaman. C'est un mythe pour les vieillards. Hein. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Trop pressé, trop pressé. Allez, j'ai pas de super coup. Mais en même temps, je l'ai sauvé l'autre. J'ai pas besoin de me reprendre la tête avec. Ok. Ok, je sais pas, je suis parti dans tous les sens. J'ai dit, je m'en fous. Ok, ça me va. Oh, je vous ai vu, les petits coquins. Oh là là. On doit arriver au boss. C'est un mythe pour les vieillards. Je te rappelle, mon cher Gamy, que nous sommes tous de vrais joueurs. Ah oui, mais ça empêche pas. De vrais jeunes. Ah, des vrais jeunes. Non, c'est fini, ça. Ah bah, t'es un jeune pour un mec de 90 ans. Hein. Ça, c'est dur, mais... Je te jure, pour un jeune de 14 ans, t'es un vieux. Hein. Même pour un mec de 20 ans. Hein. Putain, mais comment je vais passer là? Comme ça, tout simplement. Ok. Ok, ça passe. Ça passe. On doit plus être très loin de la fin, là. Oui, mais là... On doit plus être très loin de la fin du stage là. En vrai, ça sert à rien de tout fumer là. Oh, je suis parti dans tous les sens. J'avoue. Là, j'avoue, c'est chaud. Oh putain, là c'est chaud là, sa mère. Je sais pas, après il y avait la mine, mais la mine c'est le premier que j'ai fait alors. Est-ce qu'il m'a paru dur parce que justement c'était le premier que je faisais? C'est possible, tu vois, le temps de se faire au gameplay, tout ça. Je pense que ça venait surtout de ça. Alors comment je vais passer là? On va pas prendre de risques. Je voulais passer, mais il y avait... Rien à foutre, on arrive au checkpoint. Je le sens. J'y crois. Ah, quelle saloperie.
Non, mais c'est... Oh, mais c'est... Le timing, là, il est trop chaud. Pour ressauter en arrière. Ok, il fallait faire comme ça. Là, il y a un truc, ouais. Mais on a raté un truc, c'est sûr. C'est vrai que j'ai ça aussi. Tiens, ramasse les dents. Oh putain, il nous reste qu'un PV. Au tri de décevoir ou pas, ma fille préfère les jeux old school, nostalgiques du genre jamais de la vie, elle va jouer à un Zelda nouveau ou autre jeu arcade, ça passe. Bah après oui, non mais ça veut pas dire que... Mais je fais une généralité, hein, d'une manière générale, mais ça veut pas dire que... Il y a toujours pas des exceptions. On sait toujours pas s'il va y avoir une suite au jeu Planet of Lana. Bah je te le dis, il n'y en aura pas. Voilà. Tu peux signer. Tu peux quote, tu peux enregistrer. Il n'y aura pas de suite à Planet of Lana. Même si parfois il faut des jeux multi deux players. Bah oui. Sauf que dans la mine, t'avais aucun upgrade. Là, tu es bien équipé. Ça sent beaucoup plus hard que la mine. Ouais, je sais pas. Au niveau de la plateforme, peut-être. Ouais. La mine, je pense que c'est... En fait, ouais, s'il t'y retourne plus tard dans la mine. Possible. Oh, il est bien ce boss, il est mignon. Ah Fred, je t'avais pas vu. Tu viens d'arriver, non? Je t'avais pas vu aujourd'hui. Eh ben bonne nuit Jean. Eh bien voilà le circuit gravitationnel en personne. Eh oui, c'est nous. Que me vaut cet honneur? Bah faut que les pipelines, mec, ouais, je peux pas laisser les réacteurs de la ville surchauffer là. Faut faire quelque chose. Et si je te laisse pas t'en approcher? Bah bagarre. Eh bah bagarre. Eh oui, connais la réponse. Enfin, t'es affreusement froid. Tu as changé. J'aime bien. Mais si c'est ainsi que tu traites tes anciens camarades, soit. Le permafrost te convient mieux de toute manière. Oh. Pas sympa du tout. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trucs pas cool. Ok, ça va être chiant. Ah, il m'a esquivé. Ah, le chien. Oh putain. Et comment j'esquive ça? Mais attendez, c'est une blague là? Ah mais attendez, c'était une blague là, le... l'attaque spéciale là, c'était une blague. Ah, on doit pouvoir se jeter sur les murs. Ouais, ça a l'air chaud. Ouais, il bouge dans tous les sens celui-là, c'est surtout ça qui est chaud. Ah mais les trucs rouges, je peux marcher dessus. Moi je crois que c'était des machins qui explosent. Là, par contre, j'ai pas d'attaque spéciale. Ah mais non, il n'y a pas de... Il n'y a plus les murs sur le côté. Ah ouais, faut que je reste au bord du haut bord. Hein. Et on l'a eu! Il tient pas en place le boss, ouais. Ouais, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il bouge tout le temps. Mais on l'a fait. Tabasse-le la bagarre. Exactement! Et on l'a tabassé. Mais en tout bien, tout honneur, hein. Entre nous, hein. S'il joue comme un noob, maintenant vous pouvez demander à Fred, il sait. Ah bah, non, je pense pas, Jarod, arrête de dire ça. On est tous des noobs, de toute façon, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de s'amuser. Et si on joue comme des noobs, ben on joue comme des noobs, et puis c'est pas très grave.
Nous aurions dû nous douter que tu n'étais pas digne de confiance. Bah, je suis allé au bord, j'ai dit, allez, on va aller au bord, on verra bien, parce qu'il avait l'air de balayer tout l'écran. Et je transpire. À chaque fois que je joue, je transpire de ouf. Salut, Julien! Non, pas au first try, deuxième. Deuxième, on s'est fait éclater la première fois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est vrai que les boss, on les a tous passés first, là, aujourd'hui, sauf celui-là, deux. N'y pense pas trop, tes cerveaux moteurs vont surchauffer, tu comprendras bien assez tôt. Ok. L'effet Moulinex. Ouais, c'était un peu ça, ouais. C'était un petit peu l'effet Moulinex pour le boss. Non, le jeu est cool, hein, franchement. Mais je prends tellement de plaisir que du coup, ouais, c'est cool. Ouais, tu bourrines hein, quand même. Mais le gameplay est bien complet. Hein. Franchement, il y a plein de choses à faire avec la manette. Tu sens que ceux qui doivent speedrunner le jeu, ça doit être des déglingos, hein, je vous le dis. Parce que il y a moyen de faire des trucs de dingue. Hein. Oh, on en a eu que 7. On en a eu que 7 et on a eu toujours un tout ouvrant. Vous voyez. Voilà. Et eh ben écoutez, on retourne à la base. On va aller voir qui on a sauvé. Qui est le personnage de la montagne qui a intégré notre base. Ça, c'est cool. J'aime bien la base qui évolue avec des nouveaux persos et tout. Commandant, les circuits. Colonel, chef, vous recommencez. Vous voulez que j'appelle un médecin? Elle perd la boule. Je vais bien, juste un peu secoué par les événements récents, voilà tout. Mais j'aimerais que ça reste entre nous. Mais je pense que c'est le boss final, lui. Vous êtes arrivé dans l'horloge. Ah, c'est cool, l'horloge. J'aimerais bien que ça reste entre nous. Oui, mais ça, je viens de le lire. Mais chef, c'est peut-être grave. Pat, serais-tu en train de désobéir à mes ordres? Et Patoche, fais pas le con, hein. Non, chef, compris, chef. Oui, Patoche, Patoche, rébellion, Patoche. Salut Tom! Ah oui, je t'avais pas vu, toi, Tom! Comment tu vas? Beau travail, cela devrait rétablir nos réserves de liquide de refroidissement. Dommage que vous n'ayez pas ramené de glace, mais je me débrouillerai. Venez me voir quand vous vous sentirez d'attaque pour la prochaine mission. Eh ben, prochaine mission, ça sera soit centrale, soit je sais plus, la centrale ou je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on a dit? Ou la zone de stockage. Alors. Là, il n'y a personne de nouveau. Et ici? Personne ici. Ah, il y a un deuxième petit chien. Il va peut-être me donner un truc. Rien du tout. Il nous donne rien de plus. Je suis dégoûté. Bon. Eh ben écoutez, pour la rediff, c'est terminé. Il nous reste deux niveaux à faire. La centrale et le... je sais plus quoi. Et je viens de le dire, la zone de stockage. Voilà. Donc c'était encore une fois... démentiel, j'ai adoré le... J'adore tout ce qu'on fait dans ce jeu, c'est juste incroyable. Moi je me régale, le gameplay est vraiment jouissif à souhait. C'est nerveux, mais tu rigoles, tu t'amuses, voilà, c'est pas frustrant. C'est pas frustrant comme peuvent l'être certains jeux, c'est vraiment la rigolade, je trouve. Voilà, en tous les cas, pour ceux qui sont en rediff, on se revoit très vite pour la suite de Gravity Circuit. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous, et à bientôt, ciao, ciao.